En France, les électeurs se rendent dimanche aux urnes pour le second tour des élections législatives. Et dimanche dernier, lors du premier tour, le parti d'extrême droite, Rassemblement National, a obtenu le plus grand nombre de voix. Ces élections anticipées ont été convoquées par le président Emmanuel Macron après que son parti a subi une défaite cuisante lors des élections du Parlement européen et que le président Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. À Paris, la protection de certains sites comme les bâtiments gouvernementaux a été renforcée et certaines boutiques ont choisi de protéger leurs devantures car on redoute de possibles troubles après la publication des résultats. Les premiers résultats devraient tomber après la fermeture des derniers bureaux de vote à partir de 20h. Nous verrons alors quel bloc aura obtenu la majorité de sièges de députés et qui sera en mesure de former le prochain gouvernement.